Marketing. Il sera donc avec nous à 7h20 sur Radio Classique. La suite du journal, Marie-Hélène Vignon. Et le coup d'arrêt à la baisse du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a augmenté en mai de 0,7%. Le total des demandeurs, incluant ceux ayant eu une activité réduite, a bondi d'1%. C'est la première hausse depuis le début de l'année. Cette hausse concerne particulièrement les 22 personnes qui avaient détruit un champ de maïs OGM en août 2008 dans la Vienne, sont donc libres. 6h38, la suite à présent de notre série consacrée au secret du Palais Garnier. Aujourd'hui, c'est un lieu très privé que nous vous faisons découvrir. Et oui, puisqu'il s'agit de la loge de Dorothée Gilbert, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Pour répéter, donc on a des tutus plateaux, des tutus longs pour répéter les ballets comme Gisèle ou les ballets plus romantiques. Après, on rentre dans une pièce avec une fenêtre. C'est un luxe d'avoir une fenêtre parce que tout est hiérarchisé à l'opéra. Et donc, seulement les étoiles ont une loge avec une fenêtre. Quand il n'y a pas de fenêtre, ce sont les premières danseuses qui y sont. Donc, très important la fenêtre. Donc, à droite, il y a des étagères avec toutes mes pointes. C'est